Coucou tout le monde, donc bienvenue chez Natural Fitness et aussi sur Lorena TV. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo spéciale haut du corps. Nous allons sensibiliser vraiment l'ensemble des muscles du haut du corps, biceps, triceps, épaules, le dos, mais aussi toute la paroi abdominale. Allez, on y va. Si vous avez chez vous des petites haltères, donc on va s'échauffer et faire tous les exercices avec, des haltères de 500 grammes, 1 kg, 2 kg, comme vous voulez. Si vous n'en avez vraiment pas, bah prenez des bouteilles d'eau. Allez, c'est parti. On s'échauffe en douceur, on enroule les épaules vers l'arrière. On va se concentrer donc sur tous les muscles du haut du corps que nous avons un petit peu moins travaillé ces derniers temps dans les vidéos, mais qu'il est important de faire. Allez, et aussi vers l'avant, enroulez, dégagez le cou. Allez, ok. Aussi, faites des petits cercles aussi de la tête. Deux dans un sens, tout doucement. Ensuite, deux dans l'autre. Voilà, un dernier tour. Et allez, c'est parti. Ok, on va commencer par les biceps. Donc, ne collez surtout pas les coudes aux côtes. Dégagez-les, dégagez le menton et on y va. Allez, on est parti sur des longues séries, donc des séries de 20 répétitions. Avec moi, 4, 5, 6, 7. Allez, continuez. Ramenez bien donc les haltères vers les épaules. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, je vais mettre de profil pour vous montrer la prochaine prise. On va être ici. Et on va faire une prise marteau. Alors, vous allez pousser vers l'avant. 1, 2, 3. Comme si on voulait vraiment repousser quelque chose devant nous. Allez. Allez, poursuivez ce mouvement. Je sais, ça commence déjà à tirer dans les épaules, dans les bras. Gainez, c'est-à-dire serrer la ceinture aussi. Abdominale, les fessiers, le bassin doit rester fixe. Ok, relâchez. Reprenez des grandes séries en biceps. 1, 2, 3. On va alterner ces deux exercices. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus que 10. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, allez, courage, 2, 1, attention, on se met ici, et comme si on met le tapis vers l'avant, et 2, 3, 4, je le dis, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez, encore une dernière série, biceps, et aussi, point vers l'avant, allez, avec moi, on enchaîne tout de suite, 20 en biceps, et 1, 2, serrez bien haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 10, allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, attention, on y va vers l'avant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, courage, 9 et 10, relâchez, ok. Allez, on poursuit, cette fois-ci, dans une autre position, on va travailler les triceps, vous mettez légèrement en fente et on va tirer le bras vers l'arrière. On va travailler, essayer de localiser le travail vraiment derrière le bras, donc le triceps. Allez, avec moi, penchez-vous légèrement vers l'avant, mettez le poids du corps vers l'avant, concentrez-vous sur l'arrière du bras. Allez, poursuivez. On continue, on fait des séries assez longues. Allez, allez, courage. On fait à chaque fois trois séries.
Relâchez, passez à l'autre tout de suite. On le sent déjà derrière. Ok, allez. Flexion, extension du coude. Si vous voulez, je me mets dans l'autre sens, comme ça vous me voyez. Ne bougez pas, vous. Allez, courage. Je repousse bien ce bras derrière. Allez, l'idée, hein, c'est vraiment en fonction de votre demande. J'ai une demande, il n'y a pas si longtemps, d'une vidéo spéciale haut du corps. J'espère que cette vidéo sera, vous comblera. Hein. Allez, encore, on va bien vers l'arrière. Continuez encore 3, 2, 1. Tout de suite, on repasse à l'autre. Allez, moi je fais des allers et retours pour que vous voyez bien les placements. Ok, allez, on va bien, on travaille bien l'haltère derrière. Et ça passe sous la poitrine. Allez, courage encore. Des séries assez longues. Là, on travaille bien le triceps. On va travailler différemment au sol après. Allez, courage. Alors, encore 5, 4, 3, 2, 1. On passe à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, c'est pour vous montrer les placements, de faire des rotations. Allez, courage. Allez, on est légèrement en appui sur la jambe avant. Bien entendu, on ne travaille pas le bas du corps, mais sur le haut du corps. Ne forcez pas trop sur la jambe avant. Essayez d'être à l'aise sur les appuis. Allez, ça chauffe bien derrière, tant mieux. C'est l'objectif du jour. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Petite combinaison de là, déjà de ces trois petits exercices. Allez, avec moi, 10 biceps, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme tout à l'heure, et 1, 2, 3, 4, 5, ça fait bien travailler les épaules, 7, 8, 9, 10, et là, triceps, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe tout de suite à l'autre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ok, nous allons passer au sol. Je vais me mettre face à vous. Restez voilà, sur les genoux. Essayez de dégager les épaules, dégager le menton. Allez, inspirez, souffle. Inspire, souffle. Allez, courage. Et souffle, 3, 4, 5. Serrez les omoplates derrière. N'allez pas trop. Allez, gardez les bras à l'horizontale. Ne montez surtout pas plus. Consigne de sécurité. Allez. Et là, bloquez. Restez. Serrez un peu plus les omoplates derrière, ça brûle, relâchez. Allez, on reprend avec moi, cet exercice est très intéressant pour le dos, et mais aussi pour les bras. Et 1, 2, 3, 4, serrez les abdos, serrez les fessiers en même temps pour ne pas déséquilibrer. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, bloquez en haut, ramenez un petit peu les coudes vers l'arrière. Je sais, ça brûle, ne vous inquiétez pas, moi aussi, hein, ça brûle. Hein. Et relâchez. On fait encore une dernière série comme ça. Allez, déroulez un petit peu les épaules si vraiment ça commence à tirer. On y va? Allez, c'est parti. Et 1, inspire. 2, soufflez pour la contraction. Et 3, 4, 5, on accompagne le mouvement en soufflant. 6, allez, courage, 7, 8, ça va mieux quand on respire, 9, et 10, bloquez, ramenez un petit peu derrière, et restez, 3, 2, 1, relâchez, yes, allez, on poursuit. Alors, on va faire un petit exercice au sol, qu'on appelle une pompe triceps, bien entendu, on fait ça sur les genoux. Si par exemple il y a des personnes qui veulent faire sur les pieds, c'est possible aussi. Alors pour cet exercice,
Laissez les haltères à côté, sinon vous pouvez peut-être prendre appui dessus. On va essayer. Ok, vous me voyez bien là? Donc je descends. Et je remonte. On y va ensemble? Serrez les fessiers, serrez tout. Inspirez. Descendez. Soufflez, montez. Allez, on y va. Inspire. Soufflez, montez. Inspirez. Soufflez, montez. On fait 5. Inspire. Soufflez. Et un dernier. De cette position, décalez les appuis. Prenez la terre. Ok? Allez sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouh, ça brûle au niveau de l'épaule, c'est normal. Allez, 16, 17, 18, 19, 20. On sort dans le pont de triceps, on en fait 5. Après, on fera de l'autre côté pareil. C'est bientôt fini. Inspire, descend. Souffle et monte. Inspire, descend. Souffle et monte. Arrête des bras. Inspire, descendez. 3, plus que 2. Inspire. Un dernier, allez, courage. Et soufflez. Prenez l'autre haltère dans les bras, dans les mains, pardon. Et on active ce côté. 1, 2, 3, jusqu'à 20. 4, 5, 6, allez, ne lâchez pas. 7, 8, 9, 10, allez, encore 10, allez, courage. 9, c'est là que ça brûle et que ça travaille. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, relâchez. Pour finir, dernier exercice. Ok, prenez les haltères devant vous et allez sur le côté. 1, 2, ça peut travailler aussi en plus les abdominaux et le haut du corps. Allez, pivotez, allez, pivotez sur le côté, super. Continuez. Allez, vous localisez bien le travail sur le haut du corps, bras, épaules, le dos et les abdos aussi. Serrez, gainez, hein, c'est important. Ok. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 10, après c'est fini, je vous lâche. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et relâchez, parfait. Allez, on fait quelques petits étirements, vous avez très bien travaillé. Ok, je ramène un épaule, l'épaule derrière, donc le coude, pardon, derrière, on le tire vraiment derrière la tête. On relâche, on passe à l'autre. Super. Prenez la main, tirez-la vers l'avant, l'autre aussi. Réalisez ces petites vidéos tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Réalisez au moins 2 ou 3 fois par semaine pour vraiment voir des résultats. Allez, sur le côté, là ça étire bien, on sent qu'on a bien travaillé au niveau des épaules. De l'autre côté, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à faire mes vidéos pour vraiment voir des résultats. Comme je l'ai spécifié sous un article, c'est 10 minutes par jour pour être en forme cet été. Si vous voulez être au top, réalisez ces vidéos assez souvent et vous aurez des résultats pour l'été. Allez, à bientôt et je vous souhaite un bon entraînement.